Les deux Irlandaises. En Irlande, au pays des légendes, les habitants déclarent que chaque pierre raconte une histoire. Et c'est celle de Moraine et de Cailla dont je vais vous faire le récit. Il y a presque 2 siècles, donc en Irlande, une grande famine se répandit dans tout le pays. La cause, la voici. Les paysans cultivaient principalement la pomme de terre. Elle nourrissait bien et était facile à faire pousser. Mais un champignon apporta la maladie aux récoltes qui furent ravagées. Plus de pommes de terre, plus ou presque plus rien à manger. Les gens mouraient de faim. Alors, ceux qui le pouvaient et avaient assez d'argent pour payer la traversée, prirent le bateau pour rejoindre l'Amérique et les autres, les pauvres gens, les plus démunis, restèrent. Les plus riches ne voulaient pas quitter leur magnifique île réputée pour sa beauté sauvage, ses lacs et ses rivières, et surtout ses fabuleuses et incroyables falaises. Devant une telle ampleur, des bénévoles, la plupart des religieux ou médecins, instaurèrent chaque soir une distribution de repas. Généralement, c'était une soupe qu'on a appelée soupe populaire. Un repas chaud, un sourire, une gentille parole, une écoute, un regard complaisant. Voilà ce que cherchaient ces pauvres gens. Cailla, âgée seulement de 8 ans, était une petite fille brune aux yeux marrons en amande. Elle accompagnait chaque soir sa maman à la soupe populaire. Elle avait froid, car la température était certes basse, mais les vêtements qu'elle portait n'étaient pas adaptés à la saison. Une robe grise, usée en coton, rapiécée à différents endroits, et un châle râpé sur les épaules, c'était tout ce qu'elle portait. Moraine, elle, était la fille unique de l'infirmière et du médecin qui finançait cette collecte. Un peu plus âgée que Cailla, elle allait bientôt fêter ses 10 ans. Une peau très blanche, des taches de rousseur, une chevelure longue, rousse et flamboyante, et bien sûr des yeux verts. Voilà pour son portrait. Comme vous le remarquerez, Moraine était le cliché de l'Irlandaise pure souche. Sa mère assistait d'autres bénévoles et partageait équitablement le contenu d'un bol de soupe à chaque personne qui se présentait. Une longue et interminable queue venait grossir les rangs davantage chaque soir. Moraine, quant à elle, offrait un petit pain de campagne avec un petit bonjour à la clé. Mais quand venait le tour de Cailla, Moraine lui adressait un sourire et un petit mot gentil à chaque fois, puis lui faisait un au revoir de la main. Elle se sentait privilégiée par rapport à elle. Elle ne risquait pas le gel ni le froid. Son manteau en laine et ses bottillons vernis noirs la protégeaient. Elle comparait également sa robe avec celle de Cailla. La sienne était bleue, agrémentée de jolies dentelles blanches avec des motifs de fleurs. Quelle chance elle avait! Elle allait à l'école, savait lire et compter. Elle apprenait le piano et le dessin. Sa maman lui avait expliqué que pour tous ses enfants qui venaient ici, n'allaient ni à l'école, ni ailleurs. La seule préoccupation était de se nourrir et de se loger. Moraine s'aventura chaque jour un peu plus à poser des questions à Cailla. Elle avait fait même une provision de bonbons. Chaque fois que ses parents lui donnaient des friandises, elle en gardait systématiquement pour offrir à Cailla, qui ouvrait des yeux émerveillés et pleins de reconnaissance. Les parents de Moraine lui permirent de voir Cailla en dehors des repas servis le soir. Dès les cours finis, Cailla l'attendait devant chez elle et elle discutait sur le perron. Son père les surprit en grande conversation et autorisa sa fille à faire entrer Cailla chez lui. La pauvre, elle avait peur de salir, cette belle et grande demeure où tout brillait et sentait bon. Mais c'est l'imposante bibliothèque qui attira Cailla. Elle effleura délicatement un livre et soupira. Ah, ce soupir en disait long. Elle avoua à Moraine que son désir le plus cher, c'était de savoir lire. Dès cet instant, Moraine prit en charge l'éducation de Cailla. Elle lui apprit l'alphabet, qui s'avéra particulièrement difficile, mais Cailla avait tellement envie qu'elle surmonta cette épreuve avec courage et détermination. Cailla était folle de joie. Elle commençait à lire quelques phrases, puis des chapitres en entier. La mère de Cailla était fière d'elle et reconnaissante envers Moraine qu'elle aimait beaucoup. Quand elle sut lire convenablement, Moraine lui prêta des romans qu'elle dévora un par un. Elle ne s'arrêtait plus, elle voulait tout savoir, tout apprendre. L'amitié de Cailla et de Moraine ne cessait de grandir, d'évoluer. Elles se considéraient comme deux sœurs, inséparables à jamais. Devant cette nouvelle situation, les parents de Moraine décidèrent de prendre à leur service la mère de Cailla. On ne lui dit pas deux fois. Elle courut chercher les quelques affaires et vêtements qui restaient dans la petite chambre sombre et délabrée qu'elle louait. Une nouvelle vie
allait pouvoir redémarrer pour elle et sa fille, loin des tumultes et des dangers. Les années passèrent. Kayla allait désormais à l'école, où elle progressait à une vitesse fulgurante. Sortie de la misère, loin du froid et de la peur de manquer, son vœu le plus cher était d'être institutrice. Rien ne la ferait reculer. Elle travaillait comme une forcenée. Le concours approchait et il lui fallait qu'elle soit prête pour affronter cet examen qui renégociait son existence. Quant à Morène, elle ne se posait pas de questions. Son destin était tout tracé d'avance. Et depuis de nombreuses années déjà, elle deviendrait infirmière comme sa mère. Le jour J se présenta. Kayla était calme. Elle se sentait capable de l'avoir ce concours. Elle y avait sacrifié des heures et des heures de sommeil pour être enfin prête. Quand les résultats tombèrent, entre larmes et joie, elle sauta, dansa, chanta, avec Morène, qui avait voulu être présente ce jour si important. Elles s'embrassèrent et coururent annoncer la nouvelle à leurs proches qui la félicitèrent. Les parents de Morène ouvrirent une bouteille de champagne qu'ils avaient rapportée d'un lointain séjour à Paris. Ils trinquèrent tous ensemble à la réussite de Kayla, à la vie, à l'espoir d'une vie meilleure pour tout un chacun. Bonne nouvelle d'Irlande, où la pluie bat le pavé et délave les rues, mais où le soleil resplendit dans le cœur de nos deux Irlandaises. Kayla est désormais l'institutrice préférée de tous les enfants de l'école et elle fait bien des jalouses. Et Morène, l'infirmière la plus gentille et la plus jolie de tout le dispensaire, et les patients se battent presque pour que ce soit elle qui leur fasse des piqûres. À bientôt pour une autre histoire.